Le rap si se fait réveiller au one shot. Rap master. Every day. To the hip, hip, the hobby, don't stop. What's going on, man? Ça se passe, ça va pépère. Comme d'hab, yeah. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme d'habitude, ma man. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à TV Bordeaux pour Rap Master. Et aujourd'hui, on est là pour quel invité spécial? Et pas n'importe quel invité spécial, car c'est un invité spécial qui est d'ailleurs toujours Al. Invité ou toujours pas, derrière. C'est ma man, Mike Emson Hood, qui nous vient du 1020 Renan, ma man, Mike Emson Hood. Mike Emson. Au plaisir, gros. Mais bro, what's up? Ça se passe? Yes, plaisir. Mike Emson Hood. Woo! Il connaît les formalités. T'es comme chez Watt. À la messe, mais bien sûr, gros. Comment ça va? Plaisir. Super plaisir. Comment va les enfants? Ça grandit, mon frère. Ah, sors de varicelle. Ah ouais? Ouais, au moins comme ça ils auront plus jamais la vérité. C'est passé. C'est ça qu'il faut. Avec plaisir. Merci frère. Item, toi on te connaît, t'es là depuis super longtemps. T'es quelqu'un à qui beaucoup de rappeurs doivent beaucoup beaucoup de choses ici en Suisse. Oui, parce que t'es quand même un pionnier comparé à certains d'entre nous, en tout cas comparé à la plupart d'entre nous. Mytem so hood. So fucking hood. Une petite question, my team. Dis-moi, ma man. Est-ce que tu connais l'équipe de Rap Masters? Je la connais par cœur, l'équipe Rap Masters, c'est la famille, ma man. Woo! Ça fait plaisir d'ailleurs, tac. Fait plaisir de te voir. On a vraiment des gens du milieu, dont derrière les caméras, derrière les micros, derrière les platines. Right. C'est une vraie ambiance. Fait plaisir, Big up Rap Masters. Vraiment une vraie famille. Si, si. Mytem. Dis-moi, ma man. C'est ton nom, hein, Mytem. C'est mon prénom. C'est ton ouais. prénom. Mais là, tu l'as écrit un peu différemment, ou bien tu l'écris tout le temps comme ça, Mytem? Non, avec en fait. À l'époque, j'étais dans un internat, ouais. Et puis il y avait un psychiatre. Et pas puis, un psychiatre de la rime. Un psychiatre, okay. Rien à voir avec la rime. Sa fille, elle travaillait pour le label, au fait, elle était mariée avec le boss du label d'Arsenal. D'accord. Il y avait Roca à l'époque chez Arsenal. Si. Et une fois, il m'appelle au bureau, Mytem, voilà, j'arrive. Et j'avais une grande affiche, un poster format mondial. Et c'était marqué pour Mytem. De Roca. J'étais là. Wow. Avec les yeux de gosse, j'ai regardé cette affiche comme ça. Et puis au fait, j'ai vu que Roca, il avait fait une faute d'orthographe. Il avait séparé le my du thème. Et ça, voilà. C'était mon thème. Quoi. C'est mon thème au fait. Et moi, franchement, à la base, je croyais que c'était ça et que c'était fait exprès. Perso, ça aurait été un putain de concept. Mais c'est quand même un putain de concept parce que tu restes toi-même, comme on toujours dit. Mon frère. C'est pas le blaze qui fait le moine, quoi. Non, non, loin de là, loin de là. Et toi, en fait, Mytem, c'est d'origine d'où, en fait? Au fait, moi, je suis irakien. Okay. De père et mère, je suis irakien, 100%. Donc, de Bagdad. Okay. Du centre, du nerf, de la guerre, du berceau, du problème. Puis, de toute façon, ici, tu sais pourquoi t'es là? Parce que tu fais de l'art. Un art que nous aimons, mais que nous connaissons pas tous ici en Suisse. Tout à fait. Tout à fait. Grâce à toi, Mytem, aujourd'hui on aura un peu plus de détails sur toi déjà. Yes. Un peu plus de détails sur ce qui se passe en Suisse aussi. Toi, t'es en studio en ce moment, tu taffes ou quoi? T'en es où là? Ouais, je suis en plein dedans, pleine construction. Donc, ouais, beaucoup de projets à venir dans le futur. Ouais. Si. Avant de commencer, hein, vraiment l'émission, avant de parler de toi, vraiment, on va vite fait parler d'un mec qui habite à Genève, tu vois. Ouais. Parce qu'ici, en fait, il y a plein de gars qu'on connaît pas, surtout. C'est pour ça que dans Rap Masters, aujourd'hui, on va voir un artiste. Voilà, c'est un Suisse, un producteur de Genève qui fait lui dans la West Coast à fond. Et puis, juste une question avant. Est-ce que tu connais la différence entre un talkbox et un autotune? Oui. Oui, oui. Vas-y, oui, raconte oui. un peu. Talkbox, c'est le Korg. Voilà. C'est la boîte avec le tube. Voilà. Qui est le Korg. C'est un clavier maître en bois, voilà, sans ferreur, exactement, qui est de la marque Korg, avec un micro, enfin plastique, un tube en plastique qu'on met dans la bouche, bon, en fait, et qu'on joue. Il y a plusieurs marques et la plupart du temps ils le confectionnent eux-mêmes, tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, les Talkbox. Hein. Exactement. Eux en fait c'est un tuyau. Tout à fait. Que tu mets sur la sortie des enceintes d'un synthé clavier, quelconque. Voilà.
Et là, à partir de là, tu peux faire un peu comme dans l'autotune, mais c'est toi qui dois savoir jouer. C'est toi qui joues justement la nuance. Ouais. Exactement. Maintenant, la différence avec l'autotune, c'est qu'en l'autotune, il y a toutes des programmations déjà faites. Bien sûr, c'est dans les programmes. Exactement. Et si en Suisse, on a plus l'habitude de voir de l'autotune dans les morceaux, bah, tu vas voir qu'il y a un producteur en Suisse qui s'appelle Yes. Et que lui en fait il utilise le talkbox, la comme talkbox, il se doit, la vraie talkbox. Un truc, for real, vous allez voir ça, c'est un truc de fou. Et c'est un morceau fait par Don Ease. C'est parti, c'est dans Rap Master. Yes. Yes. Big up. What's hood? Gangsta. Big Prize. South Central Cartel Gang. Big Willie, what up? Donnie, what's the deal? Big B, I don't trip on the rider from the other set. Throw the deuce, then dip, cause it's not a threat. I'm a triple OG, strapped when I dip low. Mr. Hood, good world known for the cripple. Haters talk shit, let the clip go. Hit the hood, blowing kush out the six row. Five fucks with heinous fools, and y'all rhyme like shit out the anus, dudes. Better recognize the G when you see one. My 44 only blast for a reason. These little niggas screaming thug, I don't see one. And I retire from the game till my time done. These niggas pitiful, easily fuck critical. Making the game critical, music that makes me miserable. They claim hood, but obvious hypocritical. They non-street, non-hood, non-literal. And if you think I done seen my best days, I hit the studio and drop a bomb like Yes Man. Big dreams, big things, nobody can hold us down. Big dreams, big things, nobody can hold us down. Big dreams, big things, nobody can hold us down. Down, come around, everybody on the west side is dead. Yeah, yo, West yo, Side, man. West Side, on a du West Coast ici en Suisse. Lourd. Ça fait plaisir. Hein, c'est lourd. On va faut appeler ce producteur, il est lourd, à vraiment. Fond. Ça me rappelle, en plus, ça vient de Genève, quoi. Ouais. Ça me rappelle qu'il y a. Vraiment, c'était au tout début de ma carrière, j'avais rencontré l'équipe de MH Records, là. Il y avait Arcana et compagnie. Ouais. Et ils avaient ramené justement un beatmaker. À l'époque, et il jouait avec la toolbox aussi. Par quoi. Hasard, ça m'étonnerait pas que ce soit lui en plus. Lui, franchement, c'est. Je pense que c'est le même, je pense. Grosse pointure, quoi. Bon, parlons de toi, Mytem. Yes, ça y est. Ah, t'es là pour ça, bien sûr. Toi, tu rappes depuis combien de temps? Tu rappes depuis. Ça fait. Franchement, ça fait 15 piges. 15 piges. 15 piges, ouais. Bien sûr, tu rappes pas tous les jours. T'as des périodes où tu rappes plus. Enfin, un jour sur deux, tu... parce que je mange souvent des pâtes et puis j'ai besoin de fromage. Donc alors, j'ai dans... le fromage. Non. Alors dans ce cas-là. Pas tous les jours, mais. Normal, si. Et toi, en fait, si j'ose te demander, quel âge tu as? J'ai 30 piges. 30 piges. Droit 30 piges. Et ça fait 15 piges que tu rappes à peu près. Donc ça fait depuis l'âge de 15 piges que tu as. 15 ans, ouais. Si. Sérieusement, ouais. 15 ans. Puis avec ça, t'as collaboré avec plein de gens, t'as fait plein de mixtapes, t'as fait des apparitions dans des mixtapes, des compiles et tout ça à l'ancienne ou bien? Ouais, vraiment, ouais, beaucoup de plaisir. Des trucs des comme... Des vrais bails, hein, comme Opinion Publique. Ok, Opinion Publique, ouais. On avait enregistré dans une salle de bain. Ok. Mixtape, hein. Si. Mortel. MH3, ouais, aussi, ouais. Et puis, Mesure Suspect, non? Pas Mesure Suspect. Carte Blanche. Carte Blanche, juste. Carte Blanche. Just. On avait fait. Vous aussi, vous avez fait partie de Carte Blanche. Ouais, Carte Blanche, on a fait quoi? Mesure Suspect et toutes ces mixtapes à l'ancienne. Les mixtapes qui tournaient bien, quoi. La bonne vibe, quoi. La cassette. Si. Et puis là, depuis ces mixtapes, en fait, là, t'as fait quoi de concret par rapport à toi-même, solo? Bien sûr, on sait que t'es rentré dans le groupe MXX. Tout à fait. Et dans ce groupe-là, à part l'album MXX, personnellement pour toi, t'as fait d'autres projets ou bien? Bah on a beaucoup collaboré avec MXX. On a fait Dream Team à la base, quoi. Ouais, bien sûr. On avait fait Dream Team. Et là, on avait bien défendu le groupe en lui-même avec les concerts. Et par ce biais-là, il y avait eu MXX Street Selection Volume 0. Qui était sorti, la version Blanche et Rose. Bien sûr, avec featuring avec Afura et tout ça. Non, Blanche et Rose. Blanche et Rose. Ça, c'était le volume 0. Ah, c'était avant déjà. On l'avait distribué à 1000 exemplaires gratuitement. C'était en pré-annonce du volume 1, voilà. Du MXX Street Selection volume 1, okay. Qui était une scène plutôt sur un album producteur. Hein. C'est là qu'il y a les featuring avec Afura. Exactement, il y a eu les grosses Eric rencontres. Avec beaucoup de monde. Et après, on a fait The Swiss Game. Okay. Swiss Game, donc ça c'est pour la partie MXX, mais entre le volume 0 et The Swiss Game, il y a eu facilement 8 ans.
Et pendant ces 8 ans, on a jamais arrêté de faire des concerts, d'occuper la scène, quoi, d'occuper la scène et de construire, en fait. Quoi. Avec le MXX, quoi, en fait. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, ouais. Big up à tout le crew MXX. MXX, MME. Bien sûr, avec toutes ces collaborations, t'as pu collaborer avec plein de groupes ici en Suisse, à Loz aussi, ouais. Des groupes comme Red Smoke. Et d'ailleurs, justement, on va voir un clip que t'as fait avec Red Smoke, justement, qui s'appelle Flippin' Dat, c'est une phase B de Nina Sky featuring Rick Ross. C'est Rick Ross, exactement. Ça, c'est pour la mixtape. À mon man Jay James. Big up Jay James. JV James. Exactement. Mixtape, bien dans le pack. Red Smoke Records. Chill. Yeah. Le beat il est sale, ma rime elle est hard. Tu peux pas toucher le sac si t'as pas goûté l'asphalte. Rappeur à page, tireur à gage quand le micro approche. J'noircis la page tellement de gars qui connaissent pas ma coach. J'rappe pour les miens, pour la paye et pas pour les centimes. Les petits frères, les sœurs, pas les MC antiques. Kick à la base, le style bien à part. Le titre, j'ai l'arnaque, Red Smoker et ma rate. Dis-moi qui sont les patrons, t'es pas celui que tu prétends. Perdant, je suis partant pour le nettoyage de printemps. Pourtant ça parle, pour ça je n'ai plus le temps. J'tue le temps des balles pour les pros et les débutants. FT un mutant, non t'as jamais vu ça, jamais entendu ça, mais tu m'as reconnu moi. Los côté West, Red Smoke Best. Flippin' this, flippin' that, R-A-M-S. Yes, my man, my team, t'es toujours là ou quoi? Toujours pas bon, toujours. Si, on est en famille, toujours là ou quoi? My man, Seven Sense, t'es toujours là ou quoi? Sacré d'un. Vous êtes toujours là ou quoi? Vous avez le droit de crier, hein, si vous voulez. Faites comme s'il y avait un public, faites. Tout ça, je vais... Là-haut, là. Et on aimerait savoir, Maïtem, plutôt les téléspectateurs de Rap Masters aimeraient savoir. Maïtem, on t'a vu dans MXX, bien sûr. Maïtem, on t'a aussi vu dans Red Smoke. On t'a aussi vu dans... On t'a vu partout un peu. Voilà. T'es qui exactement, Maïtem? T'es où? Dis-nous ça très précisément, histoire qu'on s'y repère, quoi. D'accord, repérez-vous bien. Ok, moi, je suis Maïtem. Je suis un citoyen du monde. Non, maintenant... Mais... J'ai eu un groupe, c'est ma famille, c'est MXX. Ça, c'est avec qui j'ai fait toutes mes armes. C'est un peu mon parcours musical. Red Smoke, c'est l'équipe du cœur. Ça, c'est des gars, ils ont faim. C'est des mecs que je respecte parce qu'ils ont toujours tout fait tout seul. Ils sont indés, ils attendent sur personne, ils font les choses. Moi, ils me disent, Maïtem, viens faire un morceau. C'est avec plaisir. Ils m'ouvrent la porte, j'ouvre le cœur. On fait ça ensemble. Je prends leur t-shirt, on fait des concerts. Et c'est si tu veux, c'est ma team Red Smoke, c'est mon équipe de cœur. Okay. Et j'ai pas envie d'être associé à quelque chose. Si. Je suis libre, je suis un citoyen du monde. Et où ça kick et qu'on me dit que c'est sévère, quand je vois Insou, quand je vois Jay James, je vois Nelson, je vois Okim, je vois cette équipe de Red Smoke Records avec Monsieur Mex aussi, ma main Mex aussi, des gars qui kick sévère. Donc au-delà des préjugés. Moi, je vais où mon cœur m'indique, en fait. Si. Alors, Red Smoke, c'est la team de cœur. Et MXX, c'est la team de quoi? C'est ma famille. MXX, c'était mon berceau. C'est eux qui m'ont grandi. J'étais le fœtus de MXX, en fait. Si. Et maintenant, on a accouché. Maïtem, il est là. 30 piges, sévère. Les idées dans le plot, comme il faut. Les idées dans la tête. Passons au futur. Ça qu'il faut. Mais maintenant, au moins, c'est beaucoup plus clair pour les téléspectateurs de Rap Masters. Pour ceux qui ne savaient pas où Maïtem était vraiment, maintenant vous le savez, ça c'est sûr. Tout à fait. Et grâce à ça, on voit qu'en fait, toi, tu es quelqu'un qui aime partager. Donc, forcément, tu as des homies. Et puis, tu as carrément fait un morceau qui s'appelle Homie, produit par Mehdi Talmi. Mehdi. Et le clip, il a été fait par qui déjà? Ma man, ça c'est. Par qui? C'est mon gars le plus sûr qui puisse trouver. Parce que les images, vous. Street Dream Film, c'est l'homme derrière la caméra. Dream, c'est le. C'est Street Dream. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui. C'est Street Dream là qu'on va des Street Dream. C'est ma mère. C'est l'homme. D'ailleurs, un grand big up. Alors on envoie le homie. C'est parti, c'est dans Rap Masters. On n'est pas moins du mal à le dire, du mal à le vivre. La vie, c'est comme une maladie.
La réussite est longue comme l'Himalaya. Souvent semé d'embûches, donc on finit dans les bagarres. La rue est belle, c'est un asile psychiatrique. Elle ouvre mes frères, elle les cicatrise. Et va leur dire que la vie est un miracle. Tellement habitué au trou qu'on affiche nos âmes sur le miroir. On assume, on a su se battre. Beaucoup sont tombés en leur honneur, je continue le combat. Combien sont partis avec l'idée qu'ils ne reviendront pas. Finir par vivre une vie qui te regarde pas. Je sais pas pourquoi mais j'ai du mal à le dire. Du mal à le vivre. La vie c'est comme une maladie. La réussite est longue comme l'Himalaya. Souvent semé d'embûches donc on finit dans les bagarres. La rue est belle c'est un asile psychiatrique. Elle ouvre mes frères, elle les cicatrise. Et va leur dire que la vie est un miracle. Tellement habitué au trou qu'on affiche nos âmes sur le miroir. Homie, de ma main, my time, ça veut tout dire. Franchement, t'as résumé quelque part la vie que tu mènes. La vie est dure, mais. La vie est dure, mais ici on s'en remet, plus rien ne nous étonne. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Là, big up, Mehdi. Vraiment, c'était un super travail. Mehdi, très fort. Hein. On a fait autodidacte, il a produit, j'ai écrit, enregistré, posé, c'était fini. Vraiment un super souvenir avec Mehdi. D'ailleurs, on va se revoir. Mehdi, big up Mehdi. Mehdi Talmi qui est passé ici d'ailleurs avec... Avec Six Hour, avec Patrick, Six Hour, qui est la famille. C'est parti. Bon, maintenant, j'ai une question pour toi, Mytem. Yes. Quel est ton tout premier skate que t'as acheté, tout premier skate qui t'a fait kiffer le hip-hop, vraiment là, tu t'es dit, tu te promènes partout avec, tu écoutais partout dans ton Walkman même. C'était lequel? Je vais être vulgaire. C'était même pas un skate, c'était une cassette. C'était une cassette. Je vais être vulgaire, hein. Mais moi, le morceau qui m'a fait aimer le rap, ouais, c'est Nique ta mère. C'était NTM. Nique ta mère, ça m'a rendu dingue. Ça, c'est la référence de tous les rappeurs. Franchement, de toute façon. Je sais pas, en tout cas, c'était mon voisin qui m'a fait écouter ça. J'étais chez lui. J'ai dit, wow. Ils t'ont fait écouter quoi? Ils t'ont mis la fièvre. J'ai eu la fièvre. J'ai eu la fièvre. Mais ce Nique ta mère, il était vraiment. C'est clair, je l'ai touché, Nique ta mère. Là, c'était lourd, c'était voilà. Lourd. Bon, pour faire un peu moins vulgaire, on va appeler ce groupe NTM. Pour ceux qui ne savaient pas que Nique ta mère, c'était l'abréviation de NTM. Mais bon, voilà quoi. Et après ça, bien sûr, t'as dû écouter d'autres trucs. En fait, tes références de base à toi, c'est qui vraiment? Dis-nous. Alors, à la base, hein, vraiment, parce qu'on était une botte de potes de cons là. Vraiment, on était une bande de potes de cons. Et à la base, on écoutait du rap, disco un peu, tu vois, parce qu'on breakait. Ok. Ouais, c'était du break dance. C'était quoi c'était Run DMC et tout ça. C'était Run DMC, c'était ouais. Zappé Roger. Ah, tu peux nous montrer comment on dansait à l'ancienne, s'il te plaît. À l'ancienne. Ouais, on dirait ça. Ouais, je sais pas si vous rappelez, c'était. Tu vois, moi. C'était swing, tu vois. Après, on a commencé à breaker et tout. Des sires. Et puis, l'amour des lettres, c'est venu plus tard, mais. Ouais, mais mes grosses références, je dirais Biggie, quoi, parce que Biggie Small, il m'a traumatisé. Il m'a vraiment traumatisé, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Le classic shit. Ouais, quand même, bah ouais, quand même. Biggie, c'était c'est clair. Lourd, quoi. Bah, c'est vachement cool. Bah, on va approfondir un peu tes références. Oh là. Avec un petit quiz. Oh là. Le quiz de Rap Masters. Et pas n'importe quel quiz. Parce que c'est le quiz de DJ E-Dem. For real. De Rap Masters. Yeah. Alors c'est parti, je t'explique le concept gros. De toute façon c'est simple, il y a 4 catégories. Français, ricain, suisse. Et reconnaître des samples en fait. Que choisis-tu? Ok. Et bah je vais partir dans le français. Français? Ouais. DJ Dem, t'es opérationnel pour un français? T'as ce qu'il faut là? Je vais te trouver ça. Nickel, DJ Dem, il a tout ce qu'il faut à la seconde où il le faut. Là, on va voir ça, attention. Dem, il va me tuer. Rappelle-toi qu'à une émission, il m'a clashé. Il attendait ce moment. Affirmatif. N'oubliez pas que dans l'émission de Cydynamique,
Monsieur, oui, c'était si dynamique en fait. Monsieur Maïtem attendait plus que de se faire questionner, hein, entre parenthèses, par un monsieur DJ Eden. Donc, vous allez voir ça aujourd'hui en live. Voilà. Tous ceux qui étaient censés être là, soyez là maintenant parce que c'est maintenant. Je m'efface à quel moment là ? Asseyez-vous dans votre canapé. Tu vas essayer de passer par là, mais on te verra quand même. Rap, master. Yeah, premier morceau, c'est parti. Yeah, moi mon chétan à l'agenda, Jack Bauer depuis Placenta, elle met mon cœur en fuite. Yeah, moi mon chétan à l'agenda, Jack Bauer depuis Placenta, elle met mon cœur en friteur. Yeah, moi mon chétan à l'agenda, Jack Bauer depuis Placenta, elle met mon cœur en fuite. Yeah, moi mon chétan à l'agenda, Jack Bauer depuis Placenta, elle met mon cœur en friteur. J'agis à tort pour des fuites. Bring, bring. C'est faux. C'est non, parce que quand c'est faux, on dit... Dun, 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 dun. Oh, oh, oh. Bien joué, gros. Boucher double. Ah putain, mais c'est trop vieux. Ah, pour ceux qui savaient pas, moi j'aurais pas trouvé, hein, de toute façon. Moi non plus. Deuxième morceau, c'est parti. J'honore l'invitation du Bouddha Production West Point là. Oui, c'est bon. Vasquez là. Je le connais par cœur, ton son, je le connais c'est par cœur. C'est les gars, les trois là. Donc arrête de dire ton son est patate et croire tout le monde apprécie. Quand rap, si tu vois, tu viens plutôt vers l'anorexie. Sous le choc. Ça fait comme un clown, évadé d'un cirque. Sous le choc. Bien joué, Maïtem. C'est la dernière seconde. Une extrémiste de Maïtem. Je croyais que c'était Vasquez avec les gars là. Comment il s'appelle là? Laisse du neuf, ouais, je pensais que c'était laisse du neuf. T'as un peu le même style en plus, hein. Rap Master. Yeah, troisième morceau, Puisse de DJ Dan. On va. Rap Master. Groove, il est là, hein. On peut dire que là, il y a des grooves, au moins. Putain, c'est déjà, on est déjà sur la bonne piste. Pour les autres c'est mort, là le bon vivant s'inscrivant. Driver. Pour les autres c'est mort. Driver, c'est des drivers. Driver, oui. Bien sûr. C'est Driver, oui, c'est lui. Allez, assurage complet. 2 sur 3 hein, quand même. Putain, c'est déjà assurage, ça, hein. Pas mal quoi. Purée, 2 sur 3. Driver. Quatrième morceau dans Rap Master, ça. Tu. Et Raph, tes mains. Adios. Oh là, Parella. Voici le son qui m'a fait mettre mon kangou et mon kofi. Voici le son qui m'a fait mettre mon kangou et mon kofi. Voici le son qui m'a fait mettre mon kangou et mon kofi. J'oublie pas mes origines à la fin. Voici le son qui m'a fait mettre mon kangou et mon kofi. J'oublie pas mes origines à la fin. C'est Ishia. La Courneuve à Dunkerque en passant par Massilia. C'est le. Voici le son qui m'a fait mettre mon kangou et mon kofi. J'oublie pas mes origines à la fin. C'est Ishia. Ah, alors là, je suis meurtri là. Il est meurtri. Courneuve. Sultan, bien sûr. Sultan, ah bah tu ouais. L'as trouvé. Moi, Joe, filme-moi Joe. Regardez-moi ce je m'en foutiste de service. Le Joe. Caméraman. On filme ainsi depuis quand, Joe. Allez, dernier morceau de Rap Master, c'est parti. Encore et encore. C'est mon flanc, hein, Joe. Encore. Paris abrite autant de bonheur que de problèmes. Ici à tout, tu trouves même des maillots de l'OM. Paris abrite autant de bonheur que de problèmes. Ici à tout, tu trouves même des maillots de l'OM. Paris, c'est ton style. Non, c'est pas vrai. Ah Flynn, putain, mais c'est les mêmes gars quoi, putain les mecs quoi. Eh, franchement, avec la moyenne que t'as, 2 sur 3, 2 sur 5. Est-ce quand même une bonne moyenne, hein, parce que il a été très il dur. Il a été dur. Et moi, merci je sais pas frère, comment merci vous frère, faites, merci. Hein, moi, un peu lourd, hein, mais... Moi, je pourrais pas faire ça. Il y a des trucs nouveaux, je sais pas, mais... Il va m'avoir un jour. Bien joué, voilà. C'est moi qui présenterai la Mex. Ouais, tu présenteras. Ah, la Mex, avec plaisir. Bah, avec plaisir, mais... La spéciale MEX. Mais je vais me faire... Non, bien. Ok, familial, alors, on va faire ça comme ça. Yeah. C'est cool. Merci, Dem, comme d'hab, t'assures un DJ Dem. Le plus de DJ Dem. Voilà, maintenant on arrive à une question qui intéresse certainement la Suisse tout entière ainsi que nos téléspectateurs de Rap Masters. C'est qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap suisse aujourd'hui ? Ben, je vais continuer sur
sur mes opinions et mes positions. Si, si. Donc j'ai déjà livré des interviews. Et je vais dire que le rap suisse, il a rien à envier au rap français. Très bien, très juste. Le rap très suisse est en perpétuelle évolution. Il a quelque chose de malade. Il tient dans ses mains le rap suisse avec ses acteurs aujourd'hui. On peut dire qu'on a un réel mouvement, on a un réel public, on a des réels acteurs, on a des vrais ouais. beatmakers, des vrais danseurs, des vrais rappeurs. Et vraiment, il y a... Bon, pour rester hip-hop, on a aussi des vrais graffeurs, mais ça fait en un gros, bail. En gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on graffeurs. A tout ce qu'il faut, mais sauf qu'on a l'impression de ne pas avoir le niveau. C'est trop bizarre, ça. Non, c'est alors... peut-être parce que ceux qui ont tout ce qu'il faut, on les connaît pas vraiment. Non, non, moi, je pense que la scène, elle est bien définie, la scène. On sait qui fait quoi, où va qui, au fait. On sait que, en tout cas, au niveau des DJ, on a la crème. Ça, voilà. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Niveau des DJ... Au niveau DJ, ça, c'est sûr. On les connaît tous, parce que de toute façon, ils sont dans les soirées, machin, truc. Ils sont dans les soirées, ils sont dans les émissions, ils font de l'international. Voilà. Il y a Idem, il part au Maroc 2-3 fois par an. Il fait le Maghreb. Même pas Vince la peine d'en parler, l'Afrique. Tour du monde à fond. Voilà, Vince Lee est aussi sur la scène internationale. Mais maintenant, au niveau MC, c'est pas trop... MC, c'est super défini. Ouais. MC, c'est... Maintenant, les cartes en main, elles sont là. Il y a ma génération, mm-hmm. il y a la génération d'avant, mm-hmm. que je dirais rest in peace, mais je respecte. Et puis, il y a la génération qui arrive. Et la génération qui arrive, ils ont clé en main. Ils ont tout. Ils ont Facebook, ils ont Twitter, ils les ont Instagram, clés, ils ont Tumblr, ils ont tout. Ils ont tout en main. Maintenant, le public est réellement là, parce qu'on a vu sur les concerts, on a vu sur les clips qui sortent, sur les réactions, sur l'engouement que certains artistes arrivent à porter avec eux. Et ben, je trouve que la Suisse, elle devrait arrêter de regarder en France, voilà. et vraiment se concentrer d'abord sur leur territoire, exact. Avant de penser à rêver d'ailleurs. Exactement. Péter en Suisse, parce que votre public, il est là. Ouais, et on raison. Le sent, on le sent. Mais un truc, Maïtem, en Suisse, qui me fait bizarre, vraiment très très bizarre, c'est que la plupart des artistes suisses ne connaissent pas les artistes suisses qui habitent juste à côté de chez eux, ou même certaines personnes qui sont intéressées par un artiste comme toi, par exemple, voilà. qui habitent juste à côté de chez toi. Voilà. Ils savent même pas que c'est toi qui habites là, ou ne peuvent pas plus s'intéresser à toi, parce qu'ils savent même pas que, tu vois, tu fais des trucs ou quoi, ils voient pas, ils savent pas où voir, à part sur Facebook, bien sûr. Bien sûr, bien c'est sûr. C'est pour ça que, justement, Maïtem, bah, maintenant il y a Rap Master. Bah, voilà, il y a Rap Master. Il y a Rap Master. Ça fait plaisir. Maintenant, de toute façon, tu peux. Ça c'est bien pour l'actualité, mais je pense que les acteurs de la Suisse, ils devraient enlever un peu cet ego, parce que bon, d'accord, on est rappeur, on a tous un ego, ça va de soi, c'est normal. Mais après, quand tu passes un peu, quand tu connais ta personne, je pense que tu te connais toi-même, tes réactions, le fait de pouvoir te mélanger avec des gens. Et d'aller à l'échange et à la rencontre de ces gens, je pense que là déjà tu passes un seuil en disant que je suis chez moi, je taffe pour ma clique. Non, je pense que ça marchera jamais, ça marchera plus cette histoire. À moins que tu sois le prodige Justin Bieber, mais je le vois pas. Donc ouvrez-vous les gars, sortez, restez pas derrière vos écrans, derrière les téléphones, les smartphones. Allez à la rencontre des gens, parce que les gens qui vont venir vous supporter en public, c'est pas des j'aime sur Facebook ou bien des clics, quoi. Je veux dire, allez à la rencontre des gens, soyez disponibles, échangez, partagez. Je pense que c'est la base de l'humanité, quoi. Et maintenant, on va passer au dernier clip que t'as fait. Dernier clip dans lequel t'es apparu en featuring. Voilà. C'est le morceau de Maen de MXX. Pour la mixtape, The Leader mixtape, J-Face Maen. Voilà. Exactement. En featuring avec toi et IVAN. IVAN, big up IVAN. Big up IVAN. Big up Maen. Maen. C'est parti. En fait, le clip s'appelle PMFS. Yes. Ça veut pas dire paye-toi mes fesses. Hein. Non. Nuance. Ça veut dire pour mes frères et sœurs. C'est juste. C'est parti. C'est dans Rap Master pour mes frères et sœurs. Chier, Tangerino à la prod. For real. Chier. Chier. Ce titre, c'est pour tous nos frères et sœurs. Tous ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment. Car même si on est seul dans le fond, on est tous ensemble. Comment? J'ai vu mes sœurs filer dans le ciel. Elles sont belles, tellement belles, dans ma vie deviennent des mères. Ainsi mes frères sont filer dans le ciel. J'ai vu mes sœurs filer dans le ciel. Elles sont belles, tellement belles, dans la vie deviennent des mères. Ainsi mes frères sont filer dans le ciel. Vas-y, lève-toi, il est temps de rallumer les étoiles.
J'ai pris le challenge comme tous les frères au bout du ballon. Je promets de battre l'enjeu d'être la fierté des darons. Je prends la voix au nom des bâtiments, la qualité, les ralliements, l'égalité des sœurs et toute la part du monde. Vikai, Petri, Tarsim, Elias et Stella, Omega, Laurie, Samuel, Michael et Stéphane. On n'a pas tous la même destinée, la même façon de dessiner, de percevoir les rêves ou de les faire chavirer. C'est pour les coups, c'est pour les blocs, c'est pour l'exa. Ceux qui sont dedans depuis l'époque où on vivait ça. Les sœurs ont mal, on leur rend mal, mais c'est des futures mères. Elles en ont marre, elles veulent des mâles, des histoires belles en vrai. Et y'a la taupe, c'est la pute à mon pote. Elle a déjà fouillé mes poches, elle continue de tuer mes proches. C'est ma génération, elle est de toutes les couleurs. M, Y, la main au cœur, c'est pour mes frères et sœurs. J'ai vu les sœurs vivre dans le ciel. Elles sont belles, tellement belles, donnent la vie, deviennent des mères. Si mes frères sont vivre dans le ciel, vas-y lève-toi, il est temps d'en aller blesser. J'ai vu les sœurs vivre dans le ciel. Elles sont belles, tellement belles, donnent la vie, deviennent des mères. Si mes frères sont vivre dans le ciel. Yeah. Pour nos frères, pour nos sœurs. Maman Vikai. Maman. C'est un morceau qui a été produit par Tangerino, c'est juste. Tangerino à la prod. Si, si. Lourd. Et ça fait super plaisir. Merci, moi aussi. C'est vraiment un beau morceau. Merci. Et la réunion, elle est vraiment surprenante. Merci beaucoup. Et toi, Maïtem, à part ça, Francky, tu peux nous faire un petit freestyle à la fin de cette émission, quoi. Bien sûr. C'est toujours opérationnel. Opérationnel. Ah. Tu te rappelles? Quand vous avez accueilli, c'est moi qui t'ai interviewé cette fois-là. C'est donc quoi? À Fréquence Banane. Ah mais oui, tu sais, les premières fois. La première fois que j'ai eu peur d'un rappeur, c'était de lui. C'était Mex, la première fois que j'ai eu peur, ouais. Lui, en fait, t'étais là avec David Morales, c'est juste avec, Non, David, il était pas encore là, il y avait Dila, il y avait... Ah ok. Il y avait Dila, il y avait... Ah, c'est juste Odile... À l'ancienne. Ouais, il y avait Kenji. Ouais, ouais. T'étais venu avec Spike Kani et tout. Parce que c'est lui qui m'interviewait à la radio, BID Radio, là, exact. À l'université. Anciennement, avant BID, c'était Sound Session. Ok. Okay. Je me rappelle d'une session impro, c'était très traumatisant. Il y avait Vice Analyst avec nous. Exact. Il y avait toi, Spy et moi et Darkness. D'ailleurs, dédicace à tous ces gens-là. Voilà, dédicace. Tous les acteurs de ce milieu. Right. Ceux qu'on connaît. Et ben là, vous allez voir, My Time of Freestyle. Mais juste avant, gros, on se fait un petit agenda de spi. Agenda. Yes, parce que toi, tu sais quoi faire ce week-end, gros? Ce week-end? Ah, pas trop. Je crois hein. que je vais au parc avec mes enfants. Ok, mais t'as raison. De toute façon, pour ceux qui savent pas quoi faire ce week-end, mais regardez l'agenda avec on quand a même deux, trois trucs pour eux. On fait yes, des sir. Enfants. Ouais, on est parti pour l'agenda. Ouais. Comme d'hab. C'est parti. Yes, for real, man. What up, ce vendredi 20 avril, Lords of the Underground au Passion Club de Bienne avec en pré-show Sauceless. Et pour le beatbox, ce sera Funkastek qui sera là. Ouverture des portes dès 22h, c'est 15 francs avant 23h et 20 francs après. Ce samedi 21 avril au Loft Club de Lausanne, la soirée Mamacita mixée par DJ Christo, DJ Chulo et DJ Muneka avec DJ Mathématique qui sera au bar. Et on l'a déjà annoncé, n'oubliez surtout pas de venir le vendredi 27 avril à l'Insomnia Club de Écublanc pour la première grosse soirée Rap Masters avec Eria, Argo, les négociateurs Chacal, Mytem et BES mixés par DJ Eden, Wild Pitch et Luciano. Ouverture des portes à partir de 22h, c'est 10 francs d'entrée avant minuit et 15 après. Et la soirée sera animée par MEX et moi-même. Et enfin, pour le samedi 28 avril, nous avons Cash Quad Successful à la Casa Choc de Neuchâtel avec DJ Kerr, DJ Wild Pitch, DJ Zumanto, DJ Boko et Young Boss. Et voilà, c'est tout pour l'agenda. Yeah, merci ma mère. Cheers. De rien, comme d'habitude. Comme d'hab, là, vous allez voir, dans Rap Master, pas n'importe Ouh. Quel rappeur, c'est Mytem. Mytem The Hood. Cheers. 1020 Renan, c'est parti. Brrr. 1020 Renan, TV Bordeaux, Rap Masters, DJ Dem, Mex, Street Dream Film. J-M-X-X RS, c'est ça mon pote. Avance, DJ Dem. Champions League aka bientôt sur vos écrans. C'est sûr. Check. Même dans mes lyrics, je zigzag. MXX le big place, le pire face. L'équipe de base, mec, les big boss. Everyday comme Rick Cross, tenté par les grosses crasses. Jamais fait comme Chris Cross, faire bouger une grosse tasse. C'est MY, Flo Dayard, John McLean à NY. Texte au millimètre, j'tiens l'essence, gars. Et l'allumette, y'a pas pire au mic. Car j'suis le seul pyromane. Papy, dès que j'baise un test, j'ai pas de principe. Oh hustler, crack, musique. J'baise l'underground et leur star usé. C'est pour les bises.
d'Uzi, l'argent du sang, Bagdad, les diamants d'Afrique, je suis l'agent du sang, ouais, je vais payer mon fils. Ouais, j'ai les dos longues, j'ai pas dit, je représente pour péter dos longues. Oublie pas mon blast de braqueur, je suis l'homme qui vit dans un monde de bâtards. Basta, car mon bastion t'en fait c'est de l'Ascar. Blé! Qui? My time so who? 2012, homie. Sartek, my man. Merci, mon man. Yeah, freestyle entièrement improvisé. You know, donc, how we drop it. Yeah. Ça fait super plaisir. Easy life. Top of me. Ma main DJ Dev. DJ Dev. Comme d'habitude. Merci ma main. T'es le meilleur DJ. Always. T'es le meilleur DJ que je connais. T'es le meilleur. All day, every day. Ma main. That's how we drop it, man. Thanks. Rap fucking man. Homie. Yeah. Woo. Homie. Yes, c'était Rap Masters avec ma main Mytem. Et nous, on sort la semaine prochaine. Rap Master, c'est tous les jeudis, c'est tous les jeudis sur stéréotype.ch à partir de 20h30. N'oubliez surtout pas, Rap Master est la semaine prochaine à notre invité spécial. Only for the West Side, man. Rap Master, every day. To the head of the high.